Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre à jouer au président. Pour ceci, il vous faudra donc un paquet de cartes normales. Maintenant, passons aux règles. Distribuez donc toutes vos cartes à toutes les personnes. Maintenant, vous pouvez jouer. Celui qui a la dame de cœur commence donc. Donc le jeu est simple. Les cartes vont de l'ordre du 3 jusqu'au 2. Donc le 3 étant la plus faible et le 2 le plus fort. En dessous du 2, donc l'as, ensuite le roi, la dame, le valet, le 10, etc. Jusqu'au 3. Le but étant donc de ne plus avoir de carte dans sa main. Si une carte simple est posée, mettez une carte donc supérieure à elle. Si une paire est posée, ce qui veut dire deux cartes du même chiffre, vous devez donc réajuster avec deux cartes du même chiffre supérieures à elle. Ainsi pareil pour 3 cartes et 4 cartes. Si vous posez 4 cartes d'un coup, on appelle ceci une révolution, ce qui en fait inverse le pouvoir des cartes. Le 2 devient donc la plus faible et le 3 le plus fort, ainsi de suite avec le 4 le deuxième plus fort, etc. Si je pose par exemple un 6 et que mon adversaire posera aussi un 6, le suivant devra poser un 6 ou sauter son tour. Si 4 cartes du même chiffre sont posées par plusieurs joueurs, donc ensemble et collées, on ferme donc le jeu et ce joueur qui a posé sa dernière carte peut donc relancer le jeu. Dans le président, il y a comme ce qu'on appelle des grades. Donc il y a le président, le vice-président, le neutre, et autant de neutres qu'il faut, le vice-trou du cul et le trou du cul. Donc le président donnera ses deux cartes les moins avantageuses au trou du cul. Et le trou du cul donnera donc ses deux meilleures cartes. Le vice-président donnera une carte moins avantageuse au vice-trou. Pendant ce temps, le vice-trou donnera donc sa meilleure carte, une seule. Grâce à ce tuto, vous savez maintenant jouer au président. Je vous remercie donc d'avoir suivi mon tutoriel et bonne partie.